indépendance totale. La milice à Ouattara au pouvoir est en train de foutre la merde. Ce n'est pas l'armée ivoirienne. Ce sont des gens qu'ils ont bien trahis, qui sont des semés de trous. Les voici qui arrivent. Ils lancent des lacrymogènes dans tous les sens. Dans tous les sens, les gens commencent à les lapider. Ils vont inciter les gens à faire des bêtises inutilement. Voici le décor ici à Pobwe. On veut manifester, aller accueillir le président Laurent Gbagbo. On nous sert la violence. On nous sert la violence. On a l'habitude de voir dans des pays que c'est l'opposition qui est à la base des violences. Mais ici en Côte d'Ivoire, c'est le contraire. C'est le pouvoir qui a intérêt à la stabilité du pays qui est à la base des violences. C'est triste. C'est triste pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Et j'apprends tout à l'heure qu'il y a cette chaîne coloniale France 24 qui dit que les gens laissent les gens avoir accès à l'aéroport. C'est du mensonge. France 24 ment. Voici le décor à Pobwe. Les lacrymogènes pleuvent. Ça pleut, voici, ils viennent de lancer tout à l'heure, voici ça. Ils lancent les lacrymogènes chaque seconde. Ils ont placé des individus. Voilà. Voici un qui vient d'arriver devant moi. Voici un qui vient juste atterrir devant moi. Ça vient à peine d'arriver. Le jeune a chuté ça. Ça vient à peine d'arriver, voici. Voici les lacrymogènes. Voici un encore qui vient d'arriver. Voici. Ils arrivent, les voici. Voici le chat qui vient. C'est méchant. Voyez ce que Ouattara nous sait en Côte d'Ivoire. Allez accueillir Laurent Gbagbo. C'est un crime en Côte d'Ivoire. Alors que lui-même lui donne le pavillon présidentiel. Il lui donne le pavillon présidentiel et il casse ses partisans. Les voici qui arrivent. Voici la bande à Draman, le voici. Le voici là qui dit. Le voici. Il tire à bout portant. Il tire à bout portant. Il ne tire pas en haut, il tire carrément à bout portant. Il a l'intention de tirer, de blesser, de tuer les gens carrément. Le voici qui est là. Le voici. Le voici, ils s'en vont. Voici la milice à Draman qui. Le voici. Le voici qui sont là. Je suis en direct de Pobwe. Les lacrymogènes pleuvent. Ce n'est pas du tout facile de résister. Ils nous attaquent. C'est méchant. Ahmed Bakayoko est mort ici. Ahmed Bakayoko est mort. Ils sont allés l'accueillir sans problème. Le voici. Mais la foule grandit de plus en plus. Les gens sont de plus en plus motivés. Je suis juste convaincu que jusqu'à 15h, nous serons à l'aéroport. Voici un qui vient d'atterrir encore dans mon dos ici. Il nous bombarde de lacrymogènes. Voici un sous la voiture du monsieur. Voici un. Voici un autre qui vient d'atterrir encore ici, tout à l'heure. Voici un. Et ce que Ouattara nous sait, il ne cesse pas de tirer. Voici ce que Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Je suis en direct de Pobwe. C'est ce que France 24 dit. Où est-ce qu'ils vont? Quelqu'un, ils ont tué Ahmed Bakayoko. Ils sont partis l'accueillir à l'aéroport. Chez nous. Mort, ça l'accueillir à l'aéroport, Ahmed Bakayoko. Mais quelqu'un qui est vivant, Gbagbo, on ne peut pas l'accueillir. Pourquoi? C'est méchant. Hein? Il y a un babelé qui a pris mon pantalon là, je vous donne. Donnez-moi quelques secondes, je vais enlever ça et puis on continue. Mais je reste en direct quand même. Pardon, hein. Aide-moi à enlever ça. Merci. Donc voici ce que Ouattara sait à la population de la Côte d'Ivoire. Voyez ce que Ouattara sait à la population de Côte d'Ivoire.
Aller accueillir Laurent Gbagbo est devenu un crime contre l'humanité ici. C'est pas un nœud de Côte d'Ivoire. Non, c'est pas l'armée. C'est des gens, ils ont habillé. Voilà. C'est des gens de Korogo, Pontiali. Habillé des gens, ici, non. Qui sont sur les corridors. Et rien qui est payé par les impôts de Côte d'Ivoire, il va réagir. Ils tirent dans tous les sens. Ils tirent dans tous les sens. Hé, hey, balle. Ah, c'est arme, ils tirent, hein. Ils tirent maintenant à balle réelle. Les patas là. Ils tirent à balle réelle, c'est plus des. Ce n'est plus des. Des lacrymogènes qu'on lance, mais c'est des balles. C'est des balles réelles que Ouattara et sa milice au pouvoir nous sert maintenant. Mais nous restons déterminés. Et plus ils tirent, plus la foule grandit. Parce que celui qui était à la maison qui dit ça ne me concerne pas, quand tu assis chez toi et puis la lacrymogène te trouve, à partir de ce moment-là, je pense que ça te concerne. C'est méchant, c'est méchant, c'est méchant. Partagez le direct. Partagez le direct, likez. Des gens signalent. C'est méchant de la part. C'est méchant. En fait, accueillir quelqu'un, c'est pas un problème pour nous. Donc, laissez-nous l'accueillir, c'est tout. C'est quand on vous demande. Pardonnez, sciencez. Likez le direct, partagez le direct. Des gens signalent. Likez, partagez. Voici le visage de la Côte d'Ivoire. Nouvelle. On a martelé. On a martelé. Tout le temps que Gbagbo est minoritaire. Que le minoritaire veut rentrer chez lui. On empêche cette minorité d'aller l'accueillir. Ça répond à quoi? On ne sait pas. Les gars, laissez, laissez ça, laissez, laissez, pardonnez. Laissez, laissez. Ah, ils nous voient, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, ils nous voient. Voici Port-Boué. Des gens qui étaient sortis simplement marcher, les mains nues, aller à l'aéroport, accueillir Laurent Gbagbo. On ne veut pas sardine, on ne veut pas paix, on ne veut pas 2000. Voilà. C'est l'amour du cœur. C'est tout. Nous, on ne nous donne pas sardine. On ne nous donne pas transport, on ne nous donne pas paix, on ne nous donne pas de l'eau. C'est tout. Gbagbo en Côte d'Ivoire, c'est le cœur. Nous aimons Gbagbo et nous sommes prêts pour Gbagbo. Tout ce qu'ils font ne changera absolument rien. Je vous informe que tout ce qu'ils font ne changera rien. Ils ont certainement fini leur stock de lacrymogènes. Ils sont allés charger pour revenir. Et nous sommes là. Nous sommes là. Nous ne partirons pas. Nous sommes chez nous. Nous n'allons pas, nous n'allons pas aller quelque part. Nous sommes chez nous. On n'a pas autre part où aller. Nous sommes là. Contrôle. Tiens, petit bye. Voilà. Avant d'avion, des personnes qui sortent passivement, venez accueillir quelqu'un. Elle, c'est négatif. On dit, une femme a mis son enfant au monde. Il allait en prison avec le pétard. Aujourd'hui, là, son enfant libère. Avant d'avion, comment cette femme sera? En jouant, on vient se mettre à jouer la vie devant son enfant devant la prison. Là. C'est tous les gens qui sont morts. Son enfant, son enfant. Moi, mon enfant, il a fait quoi? Et vous voulez pas qu'il soit celui, et vous voulez pas qu'il accueille, c'est pourquoi? Question. Est venu sans machette, sans couteau, sans bois, sans caillou. Mais les policiers sont venus nous surveiller, nous encadrer pour nous empêcher de faire les choses. C'est eux-mêmes qui nous gazent. Et puis nous demandent de retourner dans les gaz. À votre avis, c'est pas où? C'est à balle les réels. À balle les réels. Où est-ce qu'il y a d'autres photos? Ils ont tiré à balle. 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 Non, non, tu dois dire aux militaires, arrêtez de gazer les gens, laissez-les attendre le mort, ils vont venir. S'ils ont fait une gaffe, mon amour, on n'a rien fait encore. Rien. Rien. Partagez le direct. Partagez le direct. Elle est depuis. Elle est fatiguée de lui. Partagez le direct. Ils sont fatigués de lui. Ce n'est pas un démocrate. Il refuse de donner la liberté pour un simple accueil. Ouattara n'est pas un démocrate. Il envoie des soldats qui tirent à balles réelles sur les Ivoiriens. Nous sommes fatigués. Nous allons bloquer la voie principale, jusqu'à ce qu'on nous autorise d'accueillir Koudou Laurent Gbagbo. Merci frère. Ouais, lui il a tiré. Il a tiré deux fois ici, deux ou trois fois. Peut-être attendre dans la voiture là, puisqu'il a assis un peu derrière. Fouillez ici là, il a tiré deux ou trois fois. Il a tiré, il a tiré.
Il a tiré la balle, regarde. Il a tiré dessus. Moi, vu. Il a rentré là. Il n'y en a pas. Les Ivoiriens sont motivés. Rien ne pourra nous arrêter. Ce que la milice est en train de faire, c'est de la comédie. Nous sommes là. Vous êtes bien suivi. Nous sommes à Pobwe, en face de la pharmacie de l'océan. Nous convergeons vers le 43e Bima où la police est stationnée et nous gaz tout le temps. Partagez le direct, likez, mettez les cœurs. L'arrivée de Gbagbo. Pourquoi avoir peur de laisser Gbagbo le minoritaire être accueilli par cette minorité? Laissez-nous aller à l'aéroport, nous ne sommes pas beaucoup, vous le dites tout le temps. Vous êtes plus nombreux que nous. Laissez-nous les 10 là pour dire accueillir, vous ne voulez pas. Laissez-nous! Il faudra partager la vidéo. L'heure est grave, l'heure est très très grave. Partagez la vidéo. Nous sommes des victimes, on nous violence. Likez. On nous agresse, on nous mate, tout ça parce qu'on va accueillir notre président. Partagez la vidéo. L'heure est grave. Voilà. Nous avons besoin que tout le monde voit cette vidéo là. Comme ça, afin que tout le monde entier puisse voir la manière dont nous sommes traités à cause de notre leader, parce qu'on va accueillir notre président, l'unique, le seul président de la Côte d'Ivoire, celui que nous reconnaissons et que nous avons voté. Voilà, aujourd'hui c'est une preuve palpable que la population l'aime.